pourquoi il me fait passer par là, mais il y avait plus court que ça. Si j'ai pas pris, j'ai pris le mauvais parcours. Bon, c'est pas grave. Hein. La GoPro elle bouge, hein. Ça sera pas terrible en vidéo. Ah, je reviens pas que la Sony est encore chargée. Putain, j'ai fait un détour. Tour de France, route barrée. J'avais de la place dans mes sacoches. Hein. Parce que j'ai deux visières fumées avec celle de l'intérieur et l'extérieur, et là je voyais pas grand chose. Qui va passer par là dans quelques jours, je sais pas quel jour exact. J'ai encore 64 km jusqu'à chez moi. Il me dit que j'arriverai chez moi à 19h30. Merde. Putain de GoPro de merde. Entremont, c'est là où il faut du fromage. Ah, le soleil commence déjà à se coucher. Derrière.
km 400, je tourne pour commencer ma montée vers le plateau des Glières. Il va passer par là. Ils vont monter au plateau des Glières. Je sais pas dans quel sens ils vont le faire. Et s'il y a du gravier sur... Enfin, il y a des cyclistes, ils risquent de se casser la gueule. Ça m'étonne qu'ils balayent pas la route. Je l'ai fait cette route, mais dans l'autre sens. Je vais voir si j'ai les pneus qui se dégonflent pas. 4 litres de moyenne, les amis. Pas mal, hein? Ah, ça va. J'ai déjà fait 80 bornes, là. Enfin, je sens les coups de piston. Là. Descendre par là en camping-car. Il y a ces putains de virages. Hein. Ah merde, je suis en 3 là.
j'étais monté là-haut aussi avec ma première BM, la R850R. Là, je suis obligé de prendre le virage en première. C'est tellement des virages serrés. Non, faut pas avoir le vertige, hein, les amis, je vous garantis. Il faut pas être bourré aussi. C'est là que je vous disais que prendre ces virages en Goldwyn ou en Indian Chieftain, les grosses Indian ou les grosses Harley qui font 400 kg, là ça va pas être facile, les virages serrés comme ça. Il y a une trace de gasoil. On va presque poser le pied. Putain, en mode sport, le barouf qu'elle fait. En mode normal, en mode road, elle fait déjà du bruit, mais là, en mode sport, c'est encore pire. Ces ravins là. Alors ça résonne contre le rocher en plus. Là, j'ai pas le choix là, faut que je les prenne en première. Faut que je regarde s'il n'y a pas de bagnole. Je sais pas si un mec en KTM ou en Ducati peut passer. Parce que s'il est trop bas dans les tours, même en première, je sais pas s'il peut monter ça. Si en jouant sur l'embrayage, en équissant l'embrayage. Alors les amis, en KTM ou en Ducati, je vous conseille pas de passer par là.
protéger le chemin. On descend de l'autre côté du plateau. Juste que je vérifie si la sonnerie elle enregistre encore. Une fois que j'aurai passé le chemin, je vérifierai. Je vérifierai la batterie de la sonnerie. Et j'arrive en haut du plateau, les amis, le plateau des Glières. Ça enregistre toujours. Bon. Un insecte, ça tombe bien, j'ai faim. Je m'en fous, j'ai un protège carter dessous le moteur. Par carter, je l'avais pris d'origine, enfin en option. Ils me l'ont monté avant que je prenne la moto, et parce que j'avais prévu de passer par là en fait. Ah les filles, allez manger la bonne herbe des alpages, vous nous faire du bon lait, du bon fromage. Là, je suis en 3 là, je roule à combien, 30 à l'heure. Alors, j'espère que je vais pas crever un pneu quand même. Moi je pense que autour de France là, ils vont passer par là, là dans quelques jours. C'est un bol là, pour vidanger le bonhomme. À gauche là, il y a le monument là.
pour rendre hommage à tous les résistants. Ma pression des pneus. Il est 18h10 déjà. J'arrive bientôt de l'autre côté. Ah, ça va, ça fait pas trop de poussière encore. Joli, joli! Il y a encore des filles qui broutent là. Salut les filles! Bon, je vais pas me tarder ici parce que... Ah tiens, il y a des pissoirs. Voilà le fameux monument. De toute façon, j'ai déjà filmé ça. Là, il y a le soleil en face. On entend les cloches. Et là, il y a même des chiottes là. Je vais pas trop tarder ici, j'ai bu un coup, j'ai fait quelques photos. Le soleil va bientôt se coucher là. Il est 18h15. J'arriverai normalement chez moi à 19h30, si tout va bien. J'ai encore 50 bornes à faire. Et là, ça me dit que j'ai une autonomie de 107. Ah, c'est le 17 qui passe ici, je crois. J'ai vu un panneau. Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre encore?
il fait pas chaud là. Ah, j'aurais dû faire cette route ce matin déjà. En plus, je suis pas parti de bonne heure cet après-midi. Ça y est, j'ai les oreilles qui se bouchent. Ah, il y a aussi des beaux petits virages. Ils ont refait le bitume. Enfin, il faut que le... Et c'est très récent en plus. Il suffit que le Tour de France y passe là, qu'ils refassent la route. Ouais, ben, les photos que j'ai pris là avec le smartphone, je vais en mettre quelques-unes sur Instagram. Est-ce que j'ai crevé un pneu? J'ai 2,8 à l'arrière alors qu'avant j'avais 3 par. Il faut que je surveille mon pneu arrière. Ah, j'aurais pu vérifier si j'avais pas un truc dans le pneu, j'ai pas pensé, tiens. Permet de couper les virages s'il n'y a pas de bagnole. Et ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Alors, je rappelle que sur cette Speed Twin, il y a des pneus tubeless. Et moi, j'ai pris l'option avec la détection de la pression des pneus. C'est pour ça que j'ai pris ce modèle par rapport à la T120. La T120, c'est des chambres à air. Et moi, je trouve ça lamentable qu'ils fassent encore des motos aujourd'hui avec des chambres à air. Niveau sécurité, c'est nul. J'ai le pneu arrière qui se regonfle, c'est bon. Il a un peu refroidi le pneu. Vu que je roulais pas vite dans le chemin. Alors je me souviens plus de l'altitude là-haut. J'avais pas trop de temps pour m'arrêter. Peut-être déjà bien qu'il y a des chiottes là-haut. Ça, c'est vachement bien ce qu'ils ont fait quand même. Comme ça, les gens, ils sont quittes de pisser n'importe où. Il y a même des chiottes pour chier un coup pour les femmes. Après, niveau hygiène, ça laisse peut-être à désirer. Hein. De
façon, une fois que j'arrive en bas, ça sert à rien que je continue avec la GoPro. Je secoue trop, et ben je mettrai que l'image avec la Sony, hein, vu qu'elle est stabilisée. Super caméra quand même, hein. Va falloir que je sauvegarde tout ça, mais j'aurai pas le temps de sauvegarder ce soir. Elle est pas mal cette moto quand même. Elle est pas trop lourde, elle est maniable, elle est petite. Pour monter dessus, ça va super. Elle fait un putain de bruit à réveiller les morts. Elle pète, elle est vivante, elle a du caractère. Autour de France, il y en a, ils risquent de louper un virage et puis de finir dans le ravin. C'est déjà arrivé, hein. Pas ici, mais... Je parle ça en descente, hein, mais je sais pas... comment ils vont monter, s'ils vont monter par là ou de l'autre côté, j'en sais rien. Bientôt 18h30 là. Dans 3 quarts d'heure il fait nuit là. Voilà. C'est une GS ça je crois. Elle secoue hein, la GoPro. L'image elle va être dégueulasse. Il monte là vachement tard, hein. Donc il va bientôt faire nuit, à moins qu'il dorme là-haut. Ouais, je suis pas tout à fait encore en bas là. Ouais, je freine un peu de l'arrière en même temps. J'espère que ça filme toujours.
gauche, il y a en dessous d'une falaise, il y a des grottes. Il faudrait que j'y aille une fois, si on peut toujours y aller. Avant, qu'est-ce que ça donne? À l'arrière, je sais qu'il se dégonfle pas. 4,2 de moyenne, les amis. C'est pas mal, hein? Pour être 1200. 2,4 à l'avant, ça va. Ils ont refait le bitume pour les cyclistes. Même le marquage au sol et tout ça, ils ont droit à tout. La vache, le maire, il doit bien sucer. Hein. Ussillon, deux L. Il y a le chien devant. J'espère que ça a bien filmé là. Après, je vais rentrer au plus direct. Hein. Là, je freine un peu de l'arrière aussi pour stabiliser la moto. Il y a tout là, il y a le marquage au sol, le bitume est pratiquement neuf. Un torrent, les guillères. Route barrée. Chier.
c'est bien le GPS TomTom, là, il me recalcule direct un autre itinéraire. Bon, je vais repasser en mode road. Voilà, faut débrayer. C'est à 30 à l'heure tout le long. Encore un maire qui est complètement con. Ah, le soleil est encore assez haut là. Il est 18h35.